bien. Moi en tout cas ça va. Pas mal d'entre vous m'ont demandé de me maquiller avec mon stylo 4 couleurs. Quoi? C'est possible? Attention, attention. C'est pas avec ce genre de stylo 4 couleurs que tout le monde connaît et qu'on utilise à l'école, mais plutôt avec celui-ci. Ouh! En fait, il a 4 fonctions pour pouvoir se maquiller. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Juste avant, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous allez faire partie de mes étoiles et on va arriver ensemble aux 1 million d'abonnés. Wouh! Je vous invite aussi à liker, à activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. On fait le check. 3, 2, 1, tac, tac. Hey! C'est parti! Voici à quoi ressemble le Mega Pen de plus près. Alors comme je l'ai dit avant, il a 4 fonctions, stylo 4 couleurs, c'est un peu logique on va dire. Donc premièrement on peut se faire un trait d'eyeliner, donc waouh, c'est quand même plutôt stylé. J'espère que l'eyeliner il est top quand même. Ensuite il y a l'highlighter, donc c'est les petites paillettes que tu mets dans le coin de l'œil, sur le nez ou encore sur les joues. Puis un crayon à lèvres, moi normalement j'utilise jamais de crayon à lèvres, donc bon. Et un crayon pour les sourcils, c'est la même, j'utilise jamais de crayon pour faire mes sourcils, je les coiffe juste. Donc bon, ça sera deux choses que je fais pas normalement, donc ça va changer. J'espère pas faire un maquillage de clown, j'espère aussi que, oui c'est stylé déjà qu'il y a 4 en 1. Mais en même temps, faut que le maquillage soit de bonne qualité, que ça dure vraiment quand tu le mets, que ça part pas directement, etc. La dernière petite chose, c'est juste que ça ressemble un petit peu à un porte-mine. Donc vous voyez, le porte-mine, bah, quand il te reste plus trop de crayon papier, tu vas forcément appuyer au-dessus pour en avoir plus. Car en vrai, il y a encore de la mine à l'intérieur, c'est juste que tu le vois pas. Là, c'est un peu la même chose, sauf que tu dois tourner au lieu d'appuyer en haut. Donc par exemple, l'eyeliner, il m'en reste plus beaucoup. Là c'est, on va dire, c'est pas assez pour pouvoir l'utiliser. Donc je vais tourner. Et voilà. En plus j'aime bien le bruit que ça fait. Ok, donc là je vais commencer. Qu'est-ce que je vais faire tout d'abord? Ah, les sourcils. Ça va être, je crois, l'une des premières fois ou la première fois que je le fais. Car normalement je fais jamais ça. J'ai un petit peu peur, j'espère pas rater, je vais essayer de faire de mon mieux. Donc hop là. Normalement faut faire le contour des sourcils, on va dire redessiner son sourcil. Mais je crois pas que ça va m'aller et je sais pas du tout le faire. Je vais sûrement faire des lignes pas droites. Du coup je vais plutôt colorier les parties où il y a des trous. Ok, c'est parti, comme ça. J'essaie vraiment de pas trop appuyer, hein, parce que même quand j'appuie pas trop, ça fait vraiment, ça colorie bien bien, hein. Tac. Et là quand même, ça colorie. Ok. On va faire comme ça. Je sais même pas si je fais n'importe quoi ou pas, mais j'essaie de prendre la confiance, hein. C'est vous qui me dites, hein. Parce que là, alors je vérifie. Ça va, en vrai il y a un petit peu un changement, hein. Ok, je crois que ça passe. On fait l'autre. On peut voir un peu que celui-là, il est plus clair que lui, hein, quand même. Hein. Il y a une petite différence. Ouh là là, je crois que... Oh. Alors là, j'ai fait n'importe... Waouh, là, j'ai fait vraiment n'importe quoi, là. Vous voyez, j'ai trop pris la confiance, en fait. Alors que vraiment, j'aurais pas dû, parce que là, j'ai vraiment fait la catastrophe. On va enlever ça tout de suite. Ok, voilà, c'est urgent, je vais pas rester comme ça. Non, lui, j'ai vraiment raté, hein. Attention, ici aussi, tout est catastrophique. Regardez toute la couleur qui sort, waouh. En fait, sans m'en rendre compte, j'en ai vraiment mis beaucoup, hein. Bon, je crois que je vais laisser comme ça, parce que sinon, je vais encore plus empirer les choses. Je crois pas que c'est ce qu'on veut. En tout cas, là, on a vu que ça marche. Faut juste bien savoir le faire, qui est pas trop le cas pour moi. On continue avec l'eyeliner. Là, j'ai vraiment peur, hein. Honnêtement, je suis effrayée de moi-même. J'ai peur. Même si j'ai encore rien fait, j'ai quand même peur avant de faire des bêtises. Je sais pas si quelques-uns d'entre vous ont regardé la vidéo où je faisais un trait d'eyeliner, mais pas normalement. Genre, je tournais la tête et je faisais comme ça. Touk ! Et ça faisait le trait et en plus ça marchait. Est-ce que vous pensez que je devrais essayer? Oui?
Ok, on va essayer. On va faire un normalement et l'autre avec ce système de bouger la tête rapidement. Là, on commence normalement, tranquille. Non, là, je stresse. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que ça s'est cassé là. Hein. Donc là, on est mal barré là. Ok, je vais retourner. Waouh, donc là, ça commence très 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 mal, les amis. Hein. On va réessayer. Ah, là ça va. Là ça va en vrai. Hein. Ok, on va faire l'autre côté. 3, 2, 1. Ouais, non, en fait. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Bon. Quand même, ça marche. Après, ça dépend quel style de eyeliner tu préfères. C'est plutôt un crayon, en fait. C'est pas vraiment un feutre. Mais ça va. Ça marche plutôt pas mal. Je préfère quand même mon eyeliner à moi. Enfin, d'autres marques que celui-ci. Mais ça passe. Maintenant, je vais utiliser l'highlighter. Ça, c'est l'une des choses que j'aime le plus dans les maquillages, les petites paillettes. Moi, normalement, quand je mets de l'highlighter, j'utilise un pinceau et c'est un peu plus galère pour mettre vraiment aux endroits précis. Mais là, comme c'est un système crayon, et bah, normalement, c'est censé être plus simple. On va tester ça tout de suite. Donc, déjà dans le coin de l'œil. Donc là, ça va, hein, ça marche plutôt bien. L'autre côté aussi c'est fait, le nez un peu ici, je vais étaler, là, là, ici aussi. Wow, là j'ai vraiment fait un trait n'importe quoi par contre. Hein. Donc ça donne ça, en fait j'ai remarqué que ça marche plutôt mieux pour les yeux que pour bah, le reste quoi. Parce qu'en fait, si là je fais un trait et que j'étale pas, et bah ça fait juste un trait quoi. Et c'est bizarre, hein, juste un trait comme ça. À part si tu veux faire un maquillage spécial. Voilà, c'est un petit peu bizarre. Du coup, en tout cas, dans le coin de l'œil, ça marche vraiment bien, je trouve. Ça, j'aime bien. Car en plus, il m'en reste plus du highlighter. Et à chaque fois que j'en ai un, il se casse. Donc là, je crois que ça va être moins simple de le casser. Mes copines aussi, elles adorent le highlighter. Moi aussi, hein, parce que vraiment, c'est sympa. Genre, ça te rajoute de la lumière, des petites paillettes et tout. C'est joli, c'est joli. Je vais finir avec le contouring des lèvres. C'est pareil que pour les sourcils. Normalement, je fais jamais ça. Donc, croisez les doigts, s'il vous plaît, pour que je fasse le mieux possible. Ouf, je suis vraiment pas prête là, hein. Ok, donc on va tourner un peu. Là, je crois que c'est bien. Je sais pas si c'est un marron ou c'est plutôt comme un espèce de rouge foncé. Je sais pas trop. Je vais voir ça tout de suite parce que. Hop. Wow, wow, wow. Comme ça, bien marqué. Là, on dirait un cœur un peu bizarre ici, non? Oui. Je crois qu'il y en a un, il est plus gros que l'autre. Non, 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 c'est pas normal ça. Non, là, je crois vraiment je fais les lèvres à l'ancienne, là, les amis. Hein. Je crois que ça va pas. Hein. Je crois que j'ai pas capté qu'on est en 2023. Et on va colorier à l'intérieur un peu. Il m'aurait déjà plu beaucoup. Et je pense que si je rajoute du gloss, là, ça va faire un meilleur rendu. Ouh! Ouh! Attention, il y a un trait qui s'est échappé. En fait, il a pas compris qu'il devrait être sur ma bouche. Ah ouais, quand même. Là, quand même, on peut m'applaudir, s'il vous plaît, parce que vraiment, je suis fière de moi, parce que là, vraiment, j'avais cru que j'allais faire une catastrophe. En vrai, je m'en suis plutôt bien sortie, donc, waouh, je me sens fière. Bref, maintenant, on va mettre du gloss. C'est où? Je vais prendre celui-ci, donc c'est celui de Ariana Grande, hop. Bon bah voilà, non, c'est pas trop mon style, en fait, moi, j'aime plus faire ressortir mes yeux que mes lèvres. Un peu comme ma maman, mais bon, là quand même je trouve que ça passe, hein. C'est plutôt pas mal. En tout cas, le plus important c'est que ça marche bien. Donc je suis très contente de quand même ce stylo 4 couleurs maquillage, car il a plusieurs fonctions et c'est plutôt pratique, surtout quand tu vas à l'extérieur, de ramener l'highlighter, l'eyeliner, etc. séparément. Et bah là c'est 4 en 1, donc c'est vraiment très 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 pratique comme outil, je trouve. C'est le moment de la dédicace et les personnes sont Timéa et Elsie.
Merci de regarder nos vidéos et partager. Je vous fais plein de gros bisous. Cœur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez que je fasse plus de vidéos de ce genre, dites-le moi dans les commentaires. D'ailleurs, si vous avez vu sur les réseaux sociaux, TikTok, YouTube, etc., des produits de maquillage ou autres un peu fous que vous voulez que je teste, dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et de partager. On se voit très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Mouah.